Salut les gens, on se retrouve sur Repas Universalis 4. On poursuit notre série avec euh, Byzance, dans le but de réunifier euh, toute la Méditerranée autour de la bannière de l'Empire romain. On est en 1517, l'année d'apparition de la réforme. Et seulement nous, euh, dans notre monde, la réforme est apparue depuis un bon moment déjà. Elle a contaminé le nord de l'Europe et elle s'est divisée en Allemagne. Et dans quelques décennies, des guerres, des ligues vont, euh, vont arriver. Euh, je suis en train de revoir ma, ma stratégie géopolitique là. Parce que j'ai vu que la France, qui est la plus puissante nation du monde, était en train de faire une guerre d'unification contre Naples. Et qu'ils ont déjà euh, sous leur giron Aragon et, euh, et la Lorraine. Et que moi, j'ai la possibilité de faire un mariage royal avec la France. Et potentiellement de faire même une alliance. Si, euh, si les choses s'améliorent, en tout cas en termes de relations. Et si on a une alliance avec la France et un mariage royal enfin si on arrive à mettre euh, notre euh, souverain à la tête de la France, ça peut être excellent. Ça nous, ça nous éviterait de faire euh, bah, tout un tas de guerres en occident puisque la France qui domine une grande partie de l'occident serait directement sous notre giron. Et nous euh, dans notre arbre de mission, on se dirige enfin euh, on a plein de missions qui nous disent la recouvrer la grande Grèce, euh ennemi l'Émibélisère, enfin conquérir l'Italie, ambition de Justinien pareil, c'est l'Italie. Enfin, bref, on doit, on doit conquérir tout, tout l'ouest de l'Europe pour reformer l'Empire Romain. Et là, si on peut avoir la France de notre côté, au moins comme allié, après on verra si on arrive à mettre la main sur le trône de France, ça peut être excellent. Euh, dans l'état actuel des choses, il faut que je, nettoie, euh, que je nettoie tout ça avec mes forces. Et euh, je me disais, durant cet épisode, on va faire euh, probablement une guerre, nous, contre... Contre... Euh, contre Gênes, qui elle-même est en guerre contre Naples. Est-ce qu'il est allié à la France, lui euh, hum. euh, Ouais, mais avant ça, il faut qu'on fasse. Euh, il faut qu'on fasse. Déjà, cette, euh, ouais, cette requête d'ordre. Et puis, il y a aussi ça. Il faut juste qu'on balaye les rebelles. Et puis, on pourra récupérer un petit peu plus de terre de l'État, même si ça va déplaire C'était euh, aux marchands. Ça va leur déplaire. Et peut-être, peut-être, que dans l'épisode, on arrivera à faire une guerre aux Mamelouks. Alors, ils sont pas tout seuls, les Mamelouks. Ils ont aussi Tunis, qui n'est pas une mince affaire. Ils ont presque 30 000 hommes. Pour l'instant, je ne suis pas capable d'affronter les mamelouks, j'ai pas assez de force, mais j'ai un potentiel assez énorme. Euh, à la fois au niveau financier et au niveau euh, euh, du manpower, on est plutôt bien. Au niveau du potentiel, en tout cas. On va passer en tech militaire 10. Ce qui va nous faire un certain nombre d'avantages par rapport à, à ceux qui en sont un petit peu plus à la ramasse, comme les mamelouks. Parce qu'ils ont le nombre pour eux, mais euh, j'aurai la qualité pour moi. Alliance avec la France validée. Je vais enchaîner avec ma guerre contre Gênes qui est alliée à la France mais la France n'est pas dans le conflit là. Normalement il ne devrait pas venir, j'espère en tout cas. Sinon ça me mettrait très mal. On va prendre Cafa, c'est l'objectif, c'est la capitale actuelle de Gênes dès lors que le diplomate reviendra. La République des Deux Nations vient de se former, donc c'est un immense, un immense bloc. Est-ce qu'ils sont... Ouais, ils sont passés deuxième, ils sont passés devant les Ming. Ok, donc France, République des Deux Nations, les Ming, et ensuite il euh, y a quelqu'un d'autre avant moi. L'Angleterre. Mais l'Angleterre, c'est pas dû à leur procession en Europe, enfin c'est parce qu'ils ont colonisé une partie du Nouveau Monde, j'imagine, en l'état actuel des choses, qui sont si forts, parce que ils n'ont pas tant que ça de troupes au final. Tiens, c'est la dynastie Avis qui dirige, donc ils ont une potentielle opportunité avec le Portugal, mais le Portugal n'est plus que l'ombre de lui-même. Et la Castille a dû abandonner son allié de Naples, ils ont dû se faire manger des territoires. Ah, je ne me rends pas compte de ce qui, ce qui a été pris par l'Aragon. La France a mis la main sur Naples, et ne vient pas pour autant aider son... Son allié génois est tant mieux pour l'instant en tout cas parce que je crois que c'est la France avait des dettes c'est pour ça et puis maintenant le temps va s'écouler donc il pourra plus venir euh, l'aider on va venir couler la flotte génoise et puis on va venir s'emparer des, des deux territoires ici pendant ce temps là bah pour avoir le comment dire pour avoir l'opportunité de tout prendre il faut qu'on se débarrasse de Mantou Apparemment non, même pas. Donc on peut euh, se débarrasser là de... Enfin de prendre ce qu'on a à prendre. Juste comme ça. Petite coalition potentielle, mais c'est pas très grave. Hop, c'en est terminé et on se débarrasse de, de, de tout risque de voir la France. Nous tomber sur le coin de la trogne. On va se mettre là. La flotte, elle se répare, ok. On légitime tout ça. Et il y a autre chose que je voulais faire ensuite, mais j'ai oublié. Ah oui, on a un nouvel ordre, les Cossacks. donc on va leur accorder quelques petits privilèges. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment bien. La tradition terrestre qui augmente et surtout le choc des commandants terrestres de plus 1 à chaque fois qu'on recrutera un... Un... un général. Le reste ne m'intéresse pas plus que ça. Ok, on reste comme ça. Alors, on n'a plus l'icône de Saint-Michel. Mais on va pouvoir prendre l'icône de Saint Jean Climac, parce que lui, c'est euh, tout ce qui est institution. Et là, on est en train de chercher justement à, à obtenir euh, l'institution du colonialisme. On a quelques territoires qui l'ont, mais par rapport à notre grand empire, désormais, il faut que ça se répande plus vite. Tiens, je me dis que ce serait intéressant de choisir parmi les deux branches qui me sont proposées ici. Hop, on va regarder l'une et l'autre. Euh, la première, la garde Vareg, contrôle des pronos Yai et réformer les thèmes. Alors, si ce n'est qu'un aperçu, cliquez sur le bouton choix de la branche pour choisir définitivement. Ouais, d'accord. Tradition terrestre, à 60, ça se fait. Conseil militaire de niveau 3, ça se fait aussi. Quelle est la récompense Permet de solder la compagnie mercenaire garde Vareg. Aucun coup en professionnalisme, c'est déjà ça. Et 20 ans de dommages au moral. C'est temporaire. Ça m'intéresse pas plus que ça. réforme gouvernementale, l'avenir du système de la pronoiaille va survenir. Et on a quatre choix, dis donc. Les pronoiailles ne seront plus héréditaires. Je sais même pas ce que c'est les pronoiailles. Toute pronoiaille héritée accroîtra désormais de 5 le contrôle des les ce ça serait pas les les vassaux C'est le nom des vassaux, euh, je crois. Euh, les dépendances de type pronoyail bénéficieront désormais de plus 3 en tradition terrestre annuelle. Les dépendances de type pronoyail bénéficieront désormais de plus 5% en discipline. Ok, c'est bien ça. Hein. C'est bien ça. Plus 4 réformes gouvernementales pour chaque province disposant d'un tribunal. C'est balèze, ça. Jusqu'à un maximum de 100, ok. Mais... Ah, jusqu'à la fin de la partie modification d'entretien terrestre, dommage de... Ça c'est énorme. Ah oui, ça c'est... ça vaut le coup, ça. Alors je vais juste regarder l'autre pour savoir quoi choisir. Commandant étranger. Permet de recruter un intendant aux armées. Ouais. Plus 5% de professionnalisme, c'est pas mal aussi. Les conseillers de type intendant aux armées. Ouais. Jusqu'à la fin de la partie, le nombre de prenaïa est plus 2. Euh, et donc un événement à triple choix. On peut avoir plus de et du coup. Les Pronoiaï euh, ne réduiront plus les limites des forces byzantines. Ah, je ne savais pas que ça, 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 c'était le cas actuellement. Et c'est surtout là que ça se fait, ça s'applique réserve de mercenaires. Ah non Ah d'accord, ok. Bah Je préfère l'autre, alors. Je préfère la 1, parce que ce bonus-là, il est gigantesque à mes yeux. En termes de sous que ça va nous apporter, et puis le dommage de feu terrestre, ça m'a l'air excellent. On va valider celle-ci. Et là, il faut un conseil militaire de niveau 3. Bon, ça coûtera des sous. On le prendra quand on aura notre tradition terrestre supérieure à 60. Et puis, euh, pour ce qui est de ça... Bah, alors, du coup, euh, où est-ce qu'on choisit ça Par Théodoros. Attribution... Ah, d'accord Je savais même pas, tiens. Une dépendance va être confiée à une prono... Yair, qui administrera désormais ce territoire et le conservera de manière héréditaire. Les Pronoyai ne coûte aucune relation. Type... Oh, c'est balaise. C'est comme les Yelait en fait. Mais il faut que ce soit une monarchie. Ok. Donc peut-on le faire avec euh, toi, l'aspiration à la liberté. Ouais, ok. Et il faut que ce soit petit. J'en ai un autre. Hein. J'ai lui. Voilà, là ça marche. Et donc on peut. Alors ces dépendances contribuent à l'effort de guerre par défaut, elles réduisent de 5 la limite de force. Ouais mais ça va, la limite de force j'en ai beaucoup, mais fournissent 10% leur limite de force. Ok. Décédé. Euh... Tac, et du coup on a un statut très particulier. Bah moi ça me va parce que ça me libère euh... ici une relation. Est-ce que je peux faire quelque chose avec cette relation diplomatique Quelqu'un d'autre ah, il y en a qui pourraient venir potentiellement, hein. 20, euh, c'est pas si loin que ça, de nous. Ou alors une alliance, et là, avec la puissance euh, y est... enfin, avec laquelle on irradie, on peut, euh, on peut faire d'autres alliances. Mais c'est surtout euh, les vassalisations qui m'intéresseront à partir de là. La Moscovie demande de l'aide dans sa guerre contre la Grande Horde, c'est pas un problème, j'accepte. Mais je ne veux pas trop m'en mêler en fait. Hein. Je pense que les moscovites peuvent largement éclater la Grande Horde. Et les Kazakhs. Ouais, les Kazakhs, c'est tout petit. Et on peut valider la mission Prince des Lazes. Ici, où on va obtenir euh, plein de revendications sur tout le Caucase. L'événement L'Empire du Pont va survenir. On va pouvoir choisir. Alors attendez, voir. 25 de démonstration de force. Hop, on clique. Ah, on a tout d'un coup ok c'est pas okay, un événement c'est pas um, un choix à faire le pont appartient à l'empire depuis des siècles les successeurs des Comnènes déposés qui le, qui le gouvernent aujourd'hui prétendent reprendre un jour le titre impérial mais en sont réduits à suivre misérablement il ne à survivre misérablement il ne règne plus guère aujourd'hui que sur le peuple des Lazes. il est temps donc de mettre un terme définitif à leurs prétentions insensées. Et ouais, du coup, le carrefour commercial qui augmente, prétendant... Donc jusqu'à la fin de la partie, plus un légitimité annuelle, on aura plus ce problème là de légitimité. Coût de construction de la culture... Coût des constructions de la culture du dirigeant, moins 10%. C'est balaise. Très balaise. Donc la prochaine étape, c'est prendre tout un tas de territoire dans, le... dans cette région. Ah tiens Fat Belli, ben je vais en avoir bientôt, mais... Ah, on va voir. Contre qui on va mener la guerre Peut-être qu'on va mener une autre guerre avant les Mamelouks. Requête des ordres terminée. On a une flotte à nouveau euh, un peu régénérée. On a un amiral qui est apparu. J'en avais déjà un amiral, mais il n'était pas terrible. Celui-là est bien meilleur. On va rapatrier la flotte ici. On n'en aura pas forcément besoin pour le prochain conflit. Euh, je crois que la meilleure solution, c'est d'attaquer Phars, qui nous permettra d'avoir accès à Karaklenlou, parce qu'actuellement on est en trêve. Avec les loups, jusqu'en 32, donc autant faire une autre guerre avant. Alassa, Banouyas, tout ça c'est rien quoi. Donc il n'y a que loups qui va nous poser problème un petit peu farce. Hein, mais voilà, en tout ils ont peut-être une trentaine de milliers d'hommes. Largement euh, dans mes. C'est largement dans mes cordes. Le souverain est mort. Vive le nouvel Basileus euh, 4-5-3, c'est pas mal du tout. On doit refaire avec la France pour renforcer nos liens. Ils avaient eu un héritier euh, du coup, qui maintenant a une bonne légitimité. On, on verra un jour. Un jour, on aura la France. Je suis en train de travailler dans ce sens-là avec l'amélioration des faveurs. Comme je suis en train de le faire d'ailleurs avec la Moscovie. Donc on guette le moment où il euh, y aura une succession qui, qui sera notre avantage et où on pourra euh, placer un prétendant de notre famille sur le trône de ces deux superpuissances. Euh, on s'approche tranquillement euh, de notre objectif ici au sud. On va pouvoir euh, réclamer... Ah mais ils arrêtent pas dis donc. Cela dit non, 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 il n'y a presque plus de révolte. Rien à voir avec ce qu'on a connu par le passé, à cause des orthodoxes énervés. On va se lancer sur courna On est euh, un peu plus puissant qu'eux en théorie. Hop, donc c'est parti. L'objectif ça va être... Euh... D'éliminer peut-être Kara loup avant en se posant aux bons endroits. Euh, ouais, on va faire ça. Le livre des parcs. C'est une mission que je peux valider apparemment. Euh, productivité plus 15% pendant 25 ans, 3 de mercantilisme, si la loyauté des marchands est de moins 60 On va bénéficier de 2 mercantilisme en plus bah, J'ai envie d'attendre. J'ai envie d'attendre d'avoir 60 de loyauté, est-ce que c'est possible seulement En l'état actuel des choses, non. Mais peut-être qu'avec certains événements, on pourra l'avoir. Euh, cette mission-là donne accès à 3 autres missions qui sont... Ah, celle-ci est quasiment validable en fait. Atelier... NAS... Ah non, je n'ai pas Naxos, ok. Et ici, déjà ça donne quoi comme bonus Coût d'amélioration des grands projets de, moins... de 20%. Et un... Oh tiens, ça c'est un... un privilège particulier qui réduit le coût des grands projets de 10% permanent. Et là... Appartient à Byzance, développement 25, ateliers, marché... 30 ans, événements... Ok. Nous allons pouvoir changer nos couleurs sur la carte. C'est fou ça. Il y a des trucs de dingue. Hein Ils, ont... Ils ont pensé à des nouvelles choses. Mais pour l'instant, non. Hop, on enlève cette mission. On va pouvoir bénéficier de notre premier bonus d'ère de la réforme. On va prendre en propag... propagation des institutions dans les provinces de la véritable foi. Ou alors. En score de guerre des autres religions. Ouais, on va prendre ça, pourquoi Parce que euh, là, en fait, je peux déjà prendre l'institution, c'est juste que j'ai pas de sous. Donc, c'est pas forcément ça qui va m'intéresser tout de suite. Alors que le coin score de guerre de la province, bah, je pourrais en prendre bien davantage. Et là, euh, j'ai besoin en plus d'en prendre davantage. Hop, je regarde juste. Tac, ici, ça me coûte déjà 40. Hé, hein. hey, ça coûte cher, cette affaire. On va essayer de choper l'armée euh, des Caracayondou ici, qui est stationnée à Vannes. Voilà, ça va le faire, ça va le faire. Boum, les marchands Ah, voilà la loyauté des marchands qui peut augmenter. Par contre, leur influence va être explosive. Là, on a... À moins qu'elle vienne diminuer Non, elle a augmenté. Mais euh, l'objectif, c'est, je crois, d'avoir euh, plus de loyauté... ...que d'influence, pour pouvoir virer euh, Privilège des Républiques, qui peut m'embêter un petit peu. On va sortir le Khorasan du conflit. Il ne me rapporte pas grand-chose, mais hop, comme ça, c'est fait. On va pouvoir revenir ici. Ah mince. Mince, mince, mince. J'aurais dû peut-être quitter le territoire avant de pouvoir faire l'accord de paix. On a perdu en général dans une bataille en plus. Dans une bataille. Il venait en secours. La petite armée de Farz. Hop. Là, on prend le contrôle de tout ça. On approche de la fin du conflit. Bientôt, on va pouvoir réclamer. Notre dû, on va attendre encore un tout petit peu avant de pouvoir passer. Enfin. Euh, avant de pouvoir euh, valider l'institution. Ben voilà, on va faire ça comme ça. Je vais récupérer les deux territoires du sud pour avoir accès au golfe persique pour euh, mon vassal. Et puis moi, je vais prendre les territoires du nord pour ma pomme. Hop, c'est validé. On n'a qu'à faire ceci. Euh, ici, ah j'aurais peut-être dû le faire avant 600, non ça le fait hop, on a trop de points maintenant administratif, comment on peut régler ce problème là, déjà on a la centralisation du pays boum ça c'est fait, et puis on va peut-être les dépenser euh... voilà les dépenser en développement ah il y a des, des provinces à développer grâce au... enfin, avec les missions donc il faut que je fasse ça de manière uh, un peu plus uh, maligne que juste de l'aléatoire la pur. Alors déjà, il y a la mission ici que je peux valider, parce que je viens de prendre un conseil militaire de niveau 3, spécialement pour ça. Pendant 20 ans, on aura un dommage au moral euh, de plus 10%. On valide. Et je vais pouvoir valider le cœur du monde. J'ai dépensé énormément de points pour que ma capitale devienne la plus euh, riche capitale du monde. On est passé juste devant Paris avec 42 points. Paris a 41 points au total. Donc pour la province de Constantinople, le bâtiment lié aux taxes est amélioré. S'il n'y a pas de temple, s'il si y a déjà une cathédrale, plus 2 d'impôts brut, ok. Pareil pour l'atelier, pareil pour le militaire. Et puis Rennes, des cités s'appliquent à Constantinople jusqu'à la fin de la partie. Coût de gouvernance de la province, moins 30% augmentation du coût de gouvernance locale, Moins 50, centralisation s'applique. En Byzance, jusqu'à la fin la partie, permet de concentrer le développement sans perte. Je, je vais en abuser, ça, parce que je le faisais quasiment jamais. Donne accès à la décision « Développer les droits sur le Bosphore », permettant de renforcer le système de péage et de droits pour franchir le Bosphore. Boum, je valide ça. Euh, la prochaine, c'est « Mégalopole impériale euh, ». Il faudra avoir un développement de 65, 10 bâtiments, « Mène le grand projet Saint-Sophie numéro 3 », ça sera monstrueux. Déjà, là, ce qu'on a fait, c'est pas mal. Mais euh, c'est encore perfectible. On nous a dit concentrer le développement. C'est dans... au niveau des états, ça. Si je me souviens bien. Hop. Ok. Alors, le problème, c'est que j'ai pris un conseiller militaire qui est trop cher. Donc, dès que possible, je vais revenir sur le conseiller euh, niveau 1. Parce que je veux gagner des sous, en fait. Euh... Ah, pour prendre un nouvel ensemble de doctrines, je vais repartir vers le militaire puisque je n'ai pas assez de points en puissance administrative. Il y a peu de temps, on était vraiment très très haut, mais on a dépensé nos points pour euh, valider une mission, donc on repart sur le militaire avec les doctrines de qualité, je pense, hein. ou doctrines offensives plutôt. Doctrine offensives pour ne vraiment rouler sur tous nos adversaires. Euh, j'ai pas mal de, de bonus ici, j'ai eu un petit événement qui m'a permis de réduire de 5% euh... ah là, le cours, la, pro, la cour progressiste je crois c'est. Plus le fait que mon dirigeant soit sceptique. Hop, on valide ça, on a des fortifications plus développées et bientôt on aura 5% de discipline en plus. Donc toutes les choses se mettent bien et vous voyez que si j'ai positionné mes forces ainsi, c'est pour pouvoir affronter les mamelouks. Et j'ai en plus le soutien de la Moscovie derrière moi. On va prendre Karaman comme cible de guerre je pense. Comme ça on va accumuler des points assez vite dans le conflit. C'est parti. Et on a intercepté une petite flotte Mamlouk, qu'on va pouvoir couler grâce à notre amiral. Et du coup les mamelouks maintenant ils ont encore une flotte de 20, 34 en tout, donc c'est pas si facile, mais si je les prends séparément, comme ça a été le cas ici, je pourrais les avoir. Ah ouais, j'avais oublié que il y avait 23 navires tunisiens aussi. Il va falloir être malin sur la mer. Comme sur Terre d'ailleurs, parce qu'ils ont quand même une force assez importante, 52 000 hommes. J'en ai 60 000, mais... Faut pas que je me sépare de trop. On a gagné une grosse confrontation à Tadmor. Euh, on a perdu beaucoup plus d'hommes que parce qu'on est arrivé au compte goutte ici dans ce territoire désertique. Voilà, on s'en est emparé. On va à Homs maintenant. Et Damas va bientôt tomber. On vient de se faire avoir en Mésopotamie. C'est là qu'il avait basé toutes ses forces. Ils sont en train de nous défoncer, même si les. Hop, euh, peut-être les Moscovites vont faire quelque chose. On va voir. Avec leurs 16 000 gars. Et c'est bon, ils ont eu la petite troupe qui s'avançait par là, mais il va falloir qu'on revienne en force. Nouvelle. La France a déclaré la guerre à Tunis de son côté, de manière indépendante, mais ça va affaiblir cet adversaire assez coriace du Maghreb. Et du coup, on pourra bientôt lui demander une paix blanche, je pense, quand il va se faire euh, envahir par la France. Et ça nous le sera seul en face à face avec les mêmes locaux. Le problème, c'est que je serais tenté. De manger tout ça au Mablook, parce que c'est possible. De manger quasiment tous les territoires qui me sont euh, proposés. Le souci, c'est que ça monte à une, un tel niveau d'expansion de, agressive qu'on se mangerait forcément une coalition avec tout ça. Forcément. Euh... Après, c'est des petits. des petites nations. C'est pour ça que j'hésite. J'hésite vraiment. Sinon, on se la fait en deux fois, c'est plus prudent. Si je veux ne pas aller jusque-là, euh, je peux très bien dire. Euh, comprennent pas ça par exemple, ouais, ça en fait beaucoup quand même. Hein. Faut voir la mission, la mission qui nous est proposée, qui nous demande de conquérir le Levant. Qu'est-ce qu'elle demande exactement? Euh, Antioche et Jérusalem, 13 territoires. Ok, j'en ai un. Il en faut 12. Il faut 12 territoires parmi ceux du Levant, donc on va les compter. 1, 2. Deux... Ah, est-ce qu'ils sont comptabilisés ceux-là? C'est ça le truc. Les deux là, c'est l'Anatolie, je pense. Ouais, effectivement. Et même ces deux-là aussi. Ah oui, alors attendez, on recommence à zéro. On efface. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pourquoi pas. Ok, et là, ça se fait. Ça ferait très moche, mais au moins on validerait la mission. Et on aurait une coalition entre guillemets réduite. On va voir si on peut faire quelque chose comme ça. Réforme du catholicisme est apparue, les choses accélèrent un petit peu en Europe, ouais, effectivement, l'anglicanisme est également apparu en Angleterre, et là, ça va être la grande bataille de notre temps. Est-ce qu'on est suivi On est suivi par les moscovites. On va écraser tant bien que mal notre adversaire, il va devoir fuir loin, loin, loin. On va en catif pour pouvoir assiéger la forteresse, et puis ici, ça se passe plutôt bien. On vient d'affronter une flotte assez conséquente des Mamelouks parce qu'ils avaient trois Karak dedans. Et donc on a perdu des navires. Il va falloir du temps pour qu'on récupère. Hop Ah, on peut les améliorer. Allons-y. Le Caire est tombé en moins d'un an. On va à Alexandrie maintenant. Euh, L'essentiel du travail a été fait, j'ai envie de dire. Si on va dans le désert, on va perdre énormément d'hommes à cause de l'attrition. Non, non, on va revenir carrément. On va laisser nos alliés faire le travail. Je pense qu'on va éviter de se fatiguer puisque là on, on perd un peu de réserve et on a moyen de s'épargner ça. Fonction régalienne menacée, ça vient de popper. Euh, ouais, on va perdre une instabilité. C'est un petit peu pénible, mais bon, on n'a pas le choix. Les Français ont bien débarqué en Tunisie avec leurs alliés aragonais. Et donc, on va voir le score remonter jusqu'à zéro bientôt, tellement les Tunisiens seront fatigués pendant que nous, on conquiert l'Égypte. Tunis veut bien faire une paix blanche. On accepte une paix blanche. On monte à 85% de score de guerre. On pourrait très bien en finir là. Euh, je vérifie juste le cadre des missions et, euh, et puis on va conclure. Bon, je vais quand même prendre les quatre territoires qui étaient au nord même si euh, le risque de coalition va être encore plus grand mais j'ai confiance en la moscovie et la france pour euh, m'aider si jamais des gens mécontents euh, se lèvent contre moi. On va pas faire de guerre dans les environs euh, avant longtemps, je pense qu'ensuite, dans le prochain épisode, on se consacrera à Venise ou à la Hongrie. Euh, on va laisser le Moyen-Orient tranquille parce qu'on a, on a assez abusé de leur gentillesse, disons. On va pousser jusqu'au bout. On peut aller jusqu'à 613, c'est pas mal. Hop, ça c'est fait. Le truc c'est de savoir si on offre des territoires à notre vassal ici. Et ouais, on a la suprématie des plutocrates qui est toujours aussi embêtante. On fait ça. Parce qu'on n'aura pas assez de points pour tout faire. Donc, qu'est-ce qu'on lui donne des territoires Il veut toujours pas. Euh... Il est soutenu toujours par la République des Donations. Ah, rien que ça. Ok. C'est pour ça, je comprends. Donc, du coup, je vais peut-être pas lui donner des territoires. On va... Hop, on va faire ça laborieusement, mais on va le faire. Dès lors qu'on aura des points, on les investira là-dedans pour légitimer les. les... Les provinces conquises, on fait revenir les 40 000 hommes qui sont restés sur place. Et, euh, et on, a on va bénéficier de Jérusalem, là. Ça ne nous donne pas un bonus quelconque. Puissance des missionnaires plus 1. C'est déjà ça. En et chez Jérusalem, modifie frontière de l'Orient. Euh, prestige plus 0,25. Puissance des missionnaires contre les païens. Trop force. une question. Euh, perpétuel sur l'Egypte et consacré des métropolites va allouer désormais 2,5 en autorité patriarcale supplémentaire. Boum, on fait ça. Des métropolites, j'en ai pas trop euh, attribué. C'est quoi le problème C'est que ça coûte de l'argent, quoi. Mais sinon, le fait que ça donne de l'autorité patriarcale, c'est quand même balèze. Il me semble que j'ai en plus. Euh... Attendez, voir. On va faire ça ici. Tac. Et on, va, on va monter. Euh... Hop, on va monter, on va monter. Ici, tac, on en fait un autre et normalement on est bon. 88. Il y a une mission qui réclamait d'avoir 80% je crois. Euh, ouais c'est ça. Loyauté d'éclair 80. C'est ça qui me manque. Loyauté d'éclair, on est à 60 et on peut monter à 71. Il faudra compter sur un événement particulier pour pouvoir... Euh... Oh tiens, il y a ça aussi, c'est bien ça. Ah mais ça diminue l'autorité patriarcale. Ah. Non, ben, bah, on touche à rien, alors. On touche à rien. Ok, ben, bah, écoutez, j'espère que l'épisode vous a plu. On va espérer ne pas se manger une méga coalition dans la face. Là, l'Orient euh, est très, très fâché contre moi, en tout cas. Donc, à l'avenir, ça sera plutôt vers l'Occident qu'on va se tourner. Et la Moscovie serait capable de venir avec nous se battre contre euh, la République des Deux Nations. Ouais, ça fait pas rêver, hein. Ils sont, ils sont quand même énervés, ces gens-là. Nos anciens alliés. Ah, la France viendrait. Là Là, c'est autre chose. On pourrait considérablement l'affaiblir dans une prochaine guerre. Euh, et puis, en plus, il y a Venise, donc on pourrait manger euh, des les territoires qui nous en intéressent en Grèce. Voilà le conflit potentiel qui, qui va survenir dans le prochain épisode. En tout cas, je le planifie comme ça. Allez, à bientôt, les gens.